Facilitez, ne compliquez pas. Annoncez de bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. En d'autres termes, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? L'islam, c'est la religion de la facilité, on le dit souvent. Ben, tu sais, c'est le propre de l'humain d'aimer faire compliquer les choses. Donc, mais l'islam, c'est clair et simple. Donc, nous, on aime compliquer les choses. Et plus nous compliquerons la chose, et plus nous éloignerons de l'islam. Oui, du message, oui. Donc, l'islam prône la facilité dans toute chose. Là, on a un hadith devant nous qui montre que la pratique de la religion ne doit pas être rendue difficile aux gens, au risque de les repousser, en fait. Ben, le devoir du musulman, c'est d'éviter tout ce qui nuit à notre foi, respecter ses obligations, s'écarter de tout ce qui est blâmé, et enfin faire un maximum de ce que le prophète nous recommande. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait la souplesse et la facilité à chaque chose ou chaque... Sur chaque sujet, il se focalisait d'abord pour la simplicité ou la facilité, en fait. Mais l'être humain est un être qui a tendance à voir les choses un peu plus... avoir des difficultés là où il n'y en a pas ou se compliquer, quoi, en fait. Oui. La réalité, contrairement à l'idée reçue, c'est que l'islam, c'est une religion qui est censée être facile à suivre. Et du coup, je te remercie pour toutes ces explications, tous ces commentaires. De rien. Merci de nous avoir aidé à mieux comprendre la pensée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.